frères Zulu là, dans les mystères, dans les révélations cachées, la parole de l'Oba. Je rends grâce à l'Oba, le créateur du ciel et de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie l'Oba parce qu'il est bon, parce qu'il est fidèle, parce qu'il est tout puissant et de ce qui vit inexplicablement hors de toute réalité. Donc aujourd'hui, par sa permission, par sa grâce, par sa toute divine puissance, on rentre une fois de plus dans les sphères de la connaissance interdite. Car vous savez qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de l'homme est de cacher des choses et la gloire des rois de sonder des choses. Néanmoins, il est dit dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Et dans Jean 3:11, nous disons ce que nous savons et l'on rend témoignage de ce qu'on a vu. Également dans Jean 8:32, vous connaîtrez la vérité et la vérité fera de vous des hommes libres. C'est donc une fois de plus, je viens devant vous pour parler du sujet de l'actualité, d'un phénomène qui touche beaucoup de personnes dans le monde entier, dans toute forme de, on va dire, de culture, de civilisation, ainsi de suite. Ici, nous allons parler du secret de la puissance sexuelle et du désir de la chair. Vous savez qu'il y a beaucoup de personnes dans le monde qui sont puissantes selon le visible, qui sont tombées à cause du sexe, à cause du désir sexuel, à cause du plaisir de la chair, ainsi de suite. Même quand vous lisez dans les Bibles actuelles classiques, les gens comme les Samson, ainsi de suite, ils sont les Monmon, les David, à cause d'une femme ou à cause des femmes, ils ont tremblé, ils ont eu des châtiments. Et le premier homme aussi, à cause de la femme, il a chuté. Bon, ici, on n'est pas là pour jeter la faute à la femme ou à l'homme. On va juste exposer. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui, en gros, en couple, ne savent pas comment s'y faire par rapport à l'acte sexuel, le plaisir de la chair, ainsi de suite. Il y a beaucoup qui sont complexés quand ils sont avec les femmes par rapport à l'acte sexuel, par rapport au plaisir, ainsi de suite. Donc, on va essayer d'expliquer pourquoi il y a l'impuissance sexuelle, pourquoi il y a d'autres personnes au bout de, on va dire, ils sont précoces. Au bout de, on va dire, 2 minutes, ou même pas quelques secondes, la semence vient déjà. Remarquez que cet enseignement, s'il va être terrible en révélation, va peut-être frapper l'intellect de beaucoup de personnes, va troubler beaucoup de personnes dans âme sensible, s'abstenir. Mais on va néanmoins être correct. Donc, comme je dis, il y a beaucoup de personnes qui sont mariées, et d'autres vont essayer de... Par rapport à l'acte sexuel, ils ne sont pas performants, ils n'y arrivent pas. D'autres font au bout de moins de 5 minutes, la semence est déjà partie, ils sont déjà épuisés. Et c'est quoi cet épuisement? Pourquoi il y a des gens qui sont précoces? Le fait de voir juste une femme avec des formes, ils sont déjà en transe, ils entrent déjà dans un état second et ils lâchent déjà les semences. Et donc du coup, ils sont mal à l'intérieur d'eux, ils ont perdu confiance. On va vous expliquer c'est quoi qui se cache derrière l'impuissance sexuelle, c'est quoi qui est derrière. Et aussi, on va aussi parler par rapport à l'impuissance sexuelle ou et la puissance sexuelle de la femme, de l'attirance sexuelle, du plaisir de la chair. Donc, on va vous révéler le secret. Et certaines personnes qui ont un peu les moyens, ils ont recours à ce qu'on appelle le Viagra. Et si l'Oba le permet, on pourra expliquer est-ce que le Viagra est vraiment, ça fonctionne réellement, c'est quoi qui est derrière. Donc, pour cela, nous allons partir dans Matthieu chapitre 5. Matthieu chapitre 5 au verset 28 dans la Bible des peuples. Il est dit ceci. Mais moi je vous dis deux points. Donc le Christ, bon vous devez savoir, j'ai dit, ici là on va dans la Bible actuelle classique où Christ dit, moi je vous dis deux points. Celui, donc quiconque, celui qui regarde une femme pour satisfaire son désir a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, vous dites ici, dans Matthieu chapitre 5, au verset 28, ne dit pas que c'est interdit de regarder les femmes. Vous voyez? Donc, on va déjà parler un peu par rapport à cet aspect. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans la confusion, qui ne savent plus quoi faire, comment ils vont faire avec les yeux. Admettons que toi, l'homme qui m'écoute actuellement, tu passes en route ou bien peut-être tu es sur ton balcon, tu vois les voisines passer. Elles sont habillées, on va dire, avec des shorts moulants ou des pantalons, des jeans serrés. Tu vois les femmes. Il n'est pas dit, il n'est pas, nulle part c'est écrit,
que tu n'as pas le droit de regarder les femmes et d'apprécier les femmes. Ici, on va vous libérer. Comme j'ai dit tantôt au début, dans Jean 8, 32, vous connaîtrez la vérité. La vérité fera de vous des hommes libres. Et Christ, ici, là, dans la Bible actuelle classique, ne dit nullement que l'homme n'a pas le droit de regarder les formes d'une femme. Mais il précise plutôt que quiconque regarde une femme pour, il y a le pour qui apparaît, le pour satisfaire son désir. Là maintenant, a déjà commis un adultère dans son cœur. Donc, quand on dit dans son cœur, c'est dans la conscience de son cœur. Donc, pourquoi? Et quand vous regardez, on va dire, un homme qui va regarder les formes d'une femme, ça peut peut-être vous choquer. Mais quelqu'un qui regarde les formes d'une femme et il apprécie les formes, il va dire, ah tiens, elle est bien formée, elle est bien sculptée. Ce n'est pas un péché, ce n'est pas interdit. Mais maintenant, là, c'est la conscience des yeux qui s'arrête et la conscience de votre âme. Et si vous passez maintenant, vous ouvrez maintenant une autre porte, la porte maintenant du désir va se manifester. Donc derrière la bite, derrière les hanches, comme la vidéo j'avais expliqué par rapport aux hanches, c'est le sexe que vous allez entrevoir à cause de votre appétit sexuel, à cause de votre convoitise propre. Vous allez maintenant voir autre chose et là vous allez manifester un désir déjà sexuel en cela maintenant où dans Matthieu chapitre 5 au verset 28 entre en phase, vous dit qu'il n'est pas bien de regarder que quiconque va regarder une femme pour satisfaire ses désirs a déjà commis un adultère dans le cœur. Maintenant, pourquoi Christ dit ici, en tout cas Christ, je ne suis pas en train de parler de Jésus, je parle de Christ, pourquoi Christ néanmoins dit que quiconque regarde une femme dans son cœur pour satisfaire son désir a déjà commis l'adultère? Mais en regardant une femme, quand un homme va regarder une femme, on va dire elle est bien formée, et on voit des hanches qui sortent, et j'avais expliqué dans la dernière vidéo que les hanches sont maintenant synonymes au sexe. Donc quand un homme, on va prendre l'exemple d'un homme qui regarde une femme, parce que ici là, on va vous expliquer comment naît le désir sexuel et la puissance sexuelle. En quel moment la puissance sexuelle, où est-ce que la puissance sexuelle réside dans l'homme ou dans la femme? Donc ici, on va prendre l'exemple d'un homme qui va regarder une femme en route, peu importe l'endroit. Il voit les formes, il voit les hanches, il voit le bas du dos, son bas du dos, vous voyez, qui est formé, tout ça là. C'est, selon certaines personnes, ils vont dire des jolies formes. Quand il va regarder, quelle est la force qui l'attire pour qu'il puisse avoir des mauvaises pensées, des désirs? Pourquoi la femme fait ressentir cela? Pourquoi, certes, dans la dernière vidéo, j'avais expliqué qu'il y avait un pouvoir par rapport aux hanches qui étaient transmises à la femme. Mais pourquoi la femme doit avoir cette attirance-là? Pourquoi, en quel moment, quelle est la chose qui est dans la femme qui fait en sorte que l'homme, quand il voit la femme, il est subjugué? D'autres peuvent regarder juste le menton de la femme, les pommettes de la femme, les yeux, les cils, ainsi de suite, les doigts, les orteils, le cou, l'épaule, et pour lui, ça l'attire déjà. Est-ce que la femme, qu'est-ce qu'on a mis dans la femme? Qu'est-ce qu'on a mis dans la chair de la femme qui attire l'âme pour qu'il puisse ressentir du désir sexuel de la chair? Donc pour cela, on va, comme j'ai dit dans Matthieu chapitre 5 au verset 28, que quiconque regarde une femme pour satisfaire son désir, a déjà commis une adultère dans le cœur. C'est la raison pour laquelle dans Matthieu chapitre 6 au verset 1, Genèse chapitre 6, je répète, Genèse chapitre 6 au verset 1, il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur fut nées, virgule, dans la traduction Fab Olivette, il est dit, mais c'était une suite nécessaire de la chute d'Adam et de la dissolution de cet homme universel que des formes sensibles, donc vous voyez, et corporelles, naguissent plutôt de cette division sur la face de la terre.
et en fut abondamment produite. Ici, on va vous expliquer le mécanisme qui se cache derrière la puissance sexuelle, donc derrière le désir de la chair, par rapport même que ce soit sous plusieurs formes du côté de la femme. Donc, ici dans la traduction Femme Olivet, dans Genèse chapitre 6, verset 1, on vous donne la révélation. Pourquoi la femme, certains hommes, les hommes regardent les femmes comme un sujet de... on va dire comme une sorte d'appétit sexuel, comme un désir, comme un objet. Parce qu'il y a des hommes qui regardent les femmes comme des objets, juste pour les utiliser, les objets sexuels. On va vous expliquer pourquoi. Qu'est-ce qui fait en sorte que l'homme arrive à voir une femme de telle façon? Qui lui a appris ça? Donc dans Genèse chapitre 6 au verset 1, dans la tradition Fabre Olivette, on va décortiquer cela. Il est dit, mais c'était une suite nécessaire de la chute d'Adam, c'est-à-dire du premier homme de moto. Donc on vous dit ici, c'était à cause de la chute de l'homme et de la dissolution de cet homme universel que des formes sensibles. Une forme, c'est quoi? C'est quelque chose qu'on a formé. Maintenant, le mot sensible apparaît. Donc, ce sont des formes sensibles et corporelles qui a un corps, qui vont naître de cette division sur la surface de la terre. Donc, à cause de la chute de Moto, on vous dit plus tard, dans Genèse 6, hein, lorsque les hommes ont commencé à se multiplier sur la surface de la terre et que des filles les funaient, c'était des formes sensibles. Et sensible veut dire quoi? Ça veut dire tendre. Ça veut dire tendre, appréciable, amoureux. Ce qui veut dire que quand on voyait les femmes à cette époque dans Genèse 6, les gens qui, en gros, on va dire les non-initiés et ceux qui n'étaient pas initiés par rapport qui avaient ceux qui n'avaient pas initié les yeux, qui n'avaient pas initié la conscience de les yeux, la conscience, les pulsions. Quand on voyait ces femmes-là, et actuellement, il y a des hommes, il y a des gens, quand ils voient des femmes, la majorité des femmes, ils vont voir quoi? Des formes tendres. Ils vont dire, ah, elle est tendre celle-là. Tendre la plupart, excusez l'expression. Quand vous allez au marché, vous allez acheter peut-être de la viande, ce n'est pas un exemple, en gros, on ne compare pas la femme ici avec la viande, mais pour que vous puissiez comprendre l'enseignement, les profondeurs même du mécanisme, du désir sexuel, du plaisir sexuel, du regard des yeux quand l'homme regarde une femme et quand il est attiré sexuellement. Donc, quand vous allez peut-être dans la boucherie ou un centre commercial, vous allez acheter de la viande, vous n'allez pas prendre la viande directement, vous prenez. Non, vous voyez d'abord la viande et vous la conscience de vos yeux avant que le toucher puisse toucher peut-être la viande. Vos yeux déjà vont mater la viande, vont sentir que cette viande elle est tendre. Vous voyez? Donc ce qui est tendre, donc si la viande elle est tendre, ça va être bon à manger. Donc ici on vous dit que ces femmes-là, elles avaient des formes sensibles. Donc sensible qui veut dire tendre et ensuite maintenant appréciable et amoureux. C'est donc en cela, une femme, comme je dis, la plupart des gens, quand ils vont regarder une femme, ils vont voir comment elle est tendre, elle est douce. Excusez encore l'expression, la phrase que je vais dire, ce n'est pas un gros mot, mais de toute façon, on va montrer cela. Et je vais lire cette phrase que je vais sortir tout à l'heure dans un des passages. Bon, on vous dit cela, sensible, tendre, appréciable et amoureux. Dans Genèse chapitre 6 au verset 2, Bible française courant, il est dit, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies, bien jolies. Donc on vous dit cela, un groupe de Bamloloma, Bungulanais, donc des gens déchus, parce qu'ils étaient déchus, la déchéance, ils ont ressenti des désirs sexuels. Les anges qui ont couché avec les femmes noires de la lignée de Pongissé, c'est parce qu'ils ont ressenti des puissances sexuelles attirées par des femmes de la chair, parce qu'ils avaient chuté. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'ils avaient chuté, mais les entités du grand ordre des choses qui sont servies de l'homme qui vit inexplicablement hors de toute réalité ne peuvent pas ressentir du désir sexuel de la chair, ni ressentir du désir sexuel. Les anges qui ont ressenti du désir sexuel, c'est parce qu'ils avaient d'abord chuté spirituellement. Donc on dit ici,
Dans Genèse chapitre 6 au verset 2, Bible en français courant, les habitants du ciel constatèrent que ces filles étaient bien jolies. Donc ils ont vu que ces filles étaient jolies. Parce que la manière dont on a formé ces filles-là, ces femmes-là, donc ils ont constaté que les filles étaient jolies. Et ça ne s'arrête pas là. Et ils en choisirent pour les épouser. Dans la Bible du rabbinat français Zadokan, il est dit, les fils de la race divine trouvaient que ces filles, que les filles des hommes étaient belles. Donc on passe à jolie et ensuite on retourne dans belle. Dans la traduction Fab Olivette, il est dit, or les êtres émanés d'Elohim, lui, les dieux, influence spirituelle, ayant considéré ces formes sensibles, dont sensible c'est tendre, tendre, appréciable, amoureux, sensible, les trouvèrent agréables, agréables. Quand vous lisez dans l'un des livres d'Enoch, livre des secrets d'Enoch, le livre des secrets d'Enoch, chapitre 18, au verset 3, il est dit, ont vu les filles des hommes comme elles sont bonnes. Bonnes. Vous voyez, c'est cette phrase-là que j'avais dit, j'allais lire tout à l'heure. On vous dit cela que les anges déchus, qu'ils ont vu ces femmes-là, ils ont trouvé qu'elles étaient bonnes. Et beaucoup de personnes, à l'heure actuelle, il y a des gens, quand ils vont regarder une femme, certains, en gros, par rapport dans la moralité qu'ils ont, par rapport à la loi morale, par rapport à l'éducation, comment ils ont été initiés par les mamans, par les sœurs, s'ils avaient des sœurs, des grandes sœurs, ainsi de suite, comment leur entourage. Il y a d'autres qui vont utiliser un autre langage plus, on va dire, posé propre. D'autres vont regarder une femme, ils vont dire, ah, elle est élégante, elle est belle, elle est jolie, joviale, ainsi de suite. Mais tandis que d'autres qui vont ressentir cette pulsion sexuelle, quand ils vont regarder une femme, ils vont dire, elle est bonne. Elle est bonne pourquoi? Elle est bonne à manger. Elle est bonne. Vous voyez, c'est comme ça qu'ils vont dire. Et ces gens déchus, ceux-là, ils ont trouvé que ces femmes étaient bonnes. Et maintenant, quand tu trouves que quelque chose est bon, ou que tu trouves, un homme trouve qu'une femme, elle est bonne, comment se fait-il qu'il arrive à trouver qu'une femme, elle est bonne? Pourquoi cette femme, elle est bonne? Elle est bonne comment? En quoi elle est bonne? Comment il sait que celle-là, elle est bonne? C'est écrit sur le front d'une femme qu'elle est bonne? C'est écrit où? Si c'est sur ses doigts, sur ses pieds, sur ses mollets, sur ses cuisses, sur ses hanches, c'est écrit où? Mais il arrive néanmoins, cet homme arrive néanmoins à voir que cette femme qu'il voit là, les formes qu'il voit, les hanches qu'il voit, la poitrine qu'il voit, la bouche, les lèvres, tout ce qu'il voit, il dit, ah non, elle est bonne. Donc il veut déjà déguster, il veut déjà manger. Et donc c'est un désir qu'il a, le désir de la chair, le plaisir sexuel. Maintenant, quand il va aller voir cette femme pendant l'acte sexuel, plus le désir est intense, plus pendant l'acte sexuel, la personne ne pourra même pas faire 5, ne pourra même pas faire, on va dire, 30 minutes. Non. Au bout de 2 minutes, d'autres, c'est 2 secondes, bah, ils sont précoces, ça, la semence, et s'épuise. Donc, on va vous expliquer pourquoi il s'épuise. Et on va vous expliquer le secret du désir, en gros, le secret de la puissance sexuelle. Mais maintenant, la définition du mot « bonne », c'est quoi? C'est d'un goût agréable. Donc, quand il va voir une femme, il va voir que c'est un goût agréable. Un goût. Pourquoi le goût? Le goût, est-ce qu'une femme, c'est une nourriture qu'on puisse manger? Pour lui, dans sa conscience de ses yeux, et dans la conscience de son moi intérieur souillé, il va voir qu'elle est bonne. Donc, elle est dégustable, elle peut être mangée. Maintenant, ça ne veut pas dire que c'est un cannibale ou anthropophage. Ça veut tout, maintenant... selon sa conscience, elle sera bonne à déguster comment? Parce qu'il va manger mentalement, il va manger moralement. Pour lui, il va se dire qu'il va la manger moralement, donc pas le désir. Donc c'est ce que on explique que quiconque regarde une femme pour satisfaire son désir. Le désir c'est quoi? Là maintenant c'est un désir, tu as envie de manger. Donc il va dire celle-là, quand je vais l'attraper, je vais la manger. Ça ne veut pas dire, comme j'ai dit au début, comme j'ai dit, ça ne veut pas dire qu'il est entre deux, dit qu'il va la, qu'en gros, il est anthropophage, qu'il va la dévorer, qu'il va la manger, mais il dit, elle-là, elle est bonne. Si je l'attrape, je vais la manger. Parce qu'il y a une autre forme de nourriture. La nourriture n'est pas seulement, tu manges du chicouan, tu manges du ndolé, tu manges de bagel. Non,
C'est pas ça seulement la nourriture. La nourriture existe dans plusieurs formes. C'est quoi la nourriture? Donc ça te nourrit, ça nourrit quelque chose qui est en toi. Vous voyez? Donc maintenant, quand il voit la forme d'une femme, il voit les hanches, il voit comment la femme, elle est sculptée. Vous voyez? Le bas du dos. Lui, il a déjà un appétit. Parce que c'est la nourriture, il ressent que c'est une nourriture qu'il appelle. Donc il dit, celle-là, je l'attrape, je vais la manger. Et maintenant, on va expliquer c'est quoi cette nourriture-là. Ce désir de vouloir manger, dire que certains hommes disent qu'il va manger cette femme-là. On va expliquer. Et vous devez comprendre que dans le corps de la femme, il y a le corps de la femme. La femme a quelque chose en elle qui va intriguer l'homme, qui va intriguer les hommes de la chute. Bon, pas tous les hommes, mais certains hommes de la chute. Et ces hommes-là vont se reconnaître ici. Donc, quand un homme va voir une femme, il va regarder ses yeux. Il y a un regard, un langage chimique entre les deux yeux. Il y a déjà une invitation. Il y a un langage déjà qui se produit. Et le fait de regarder le corps, d'autres vont juste regarder le mollet, il est déjà attiré. D'autres juste, il entend la voix d'une femme, il est déjà attiré. Il va dire, ah, je suis amoureux. Donc, on va donc expliquer pourquoi. Pourquoi la femme a ce pouvoir, on va dire comme ça. Pourquoi la femme a ce pouvoir, cette influence sur l'homme. Pourquoi la femme, elle a ça. Le pourquoi, là, maintenant, on va entrer dans le pourquoi. C'est quoi cette force-là? Qui a mis ça dans la femme? C'est quoi cet élément? C'est quoi ce pouvoir qui réside dans la femme, qui attire l'homme comme un aimant, comme deux aimants? Pour cela, on vous donne la révélation dans Ésaïe, chapitre 3, au verset 16. Dans la Bible de la liturgie, il est dit, le Seigneur le déclare, deux points, parce que les filles de Sion sont orgueilleuses et qu'elles marchent la poitrine haute. Elles marchent la poitrine haute et les yeux provocantes. Il y a virgule ici. Qu'elles avancent à petits pas en faisant sonner les anneaux de leurs pieds. Donc, on vous dit ici que c'est un groupe de femmes qui sont conscientes qu'elles ont ce pouvoir d'attraction par rapport à l'homme sur l'homme. Donc ici, elles vont marcher la tête haute. Elles vont bouger les talons. Pa, pa, pa. Les mollets vont bouger. Donc, la poitrine, c'est quand la poitrine, comme ça, et elle tourne ses hanches, elle tourne son bas du dos. Elle est consciente de ça. Pourquoi elle est consciente de ça? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'elle soit consciente de cet effet qu'elle a sur l'homme? Traduction à Béphilion. En faisant des signes avec des yeux, en s'applaudissant, il y a virgule ici, je m'arrête dans les virgules et j'entre dans la profondeur. Donc on dit ici, dans la traduction Abbé Filion, en faisant des signes avec des yeux et en s'applaudissant. Ça veut dire qu'une femme ici, femme, elle sait, bon, selon l'expression de certains pervers, ils vont dire, elle sait qu'elle est bonne pour certaines personnes. Quand elle va marcher, elle va faire la fière. Donc elle va être orgueilleuse, elle va marcher la tête haute. Elle sait qu'on parle d'elle, elle sait que les gens apprécient cette femme, elle va, vous voyez, à l'intérieur d'elle, elle va sourire. Donc, ce sourire-là, ça va se manifester sous la forme des applaudissements à l'intérieur d'elle. Donc, les plusieurs de cette conscience, de cette forme-là, de cette puissance, de cette force-là d'abstraction qui tire les hommes, vont l'applaudir. Ils vont s'auto-applaudir, vous voyez? Elle devient là, sa propre star à l'intérieur d'elle, les hommes, etc. Et c'est comme ça. Donc, vous dites cela en faisant le signe des yeux, en s'applaudissant. Et qu'elles ont mesuré leurs pas, étudié les démarches. Donc, elles vont mesurer les pas, elles vont marcher avec élégance, vous voyez. Et dans cette élégance-là, il y a le vice, il y a l'orgueil, il y a la séduction. Parce qu'elles calculent les pas. Elles ne vont pas marcher en deux ordres. Elles vont marcher comme ça. Elles posent la pas, le pas. Elles posent là. Elles marchent. Plus elles marchent, la hanche bouge comme ça. Bam, le bas du dos, ça bouge. Elles marchent. Boum, ça bouge. L'homme qui regarde, il dit wow! Et c'est là où elle sourit. Même si elle ne te regarde pas,
Elle va dire un sourire, elle va dire c'est bien, regarde, continue à regarder. Et elle va s'auto-applaudir à l'intérieur. Donc là, c'est déjà la séduction. Et ce pouvoir-là de la femme, là, ce pouvoir-là, c'est déjà une sorte de puissance sexuelle. Vous voyez, le secret de la puissance sexuelle. C'est déjà un secret qui émane de la puissance sexuelle que cette femme-là a corporellement en elle. Donc, l'homme aussi a ça. Mais sauf que la plupart ne savent pas. Et on vous dit ici, dans Proverbes chapitre 7, au verset 6 à 7, il est dit dans la Bible en français courant, ici on parle de l'histoire d'une femme. On va vous expliquer maintenant par rapport à l'acte, on va dire l'acte sexuel, par rapport à le secret, c'est quoi véritablement le secret de l'acte sexuel. En gros, le secret de la puissance sexuelle et du désir de la chair, pour le désir de la chair, on va aller plus en profondeur, dans le secret de la puissance sexuelle. Ici, là, ça se résume par rapport à Proverbes, chapitre 7, au verset 6 à 7. Il est question ici d'une femme expérimentée, une femme qui est consciente de l'attirance sexuelle qu'elle a sur les hommes. Elle est consciente de son pouvoir, de le pouvoir sexuel, elle est consciente de ce secret. Donc, vous dites cela dans Proverbes, chapitre 7, au verset 6 à 7, Bible en français courant. Un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison. Et je regardais au dehors. Je vis des garçons inexpérimentés. Inexpérimentés. Dans d'autres versions, on dit insensés, qui ont la tête vide, ainsi de suite. Bon, est-ce que la tête va être vide, vu qu'il y a le cerveau, il y a le blanc, bref, il y a des nerfs, On vous dit cela, des garçons inexpérimentés. Inexpérimentés par rapport à quoi? Les gens peuvent être expérimentés par rapport au secret, initié au secret de la puissance sexuelle. Mais ici, elle vit des jeunes garçons qui étaient inexpérimentés. Et je remarquais parmi eux un jeune homme à la tête vide. Mais est-ce que quelqu'un a la tête vide? Puisque j'ai dit là, la tête, il y a le cerveau, il y a les nez, voilà. Il y a autre chose que vous savez penser. Dans Proverbes chapitre 7 au verset 8, Bible en France, Bible parole de vie, il est passé dans la rue des commerçants près de l'endroit où habite une femme infidèle. Une femme infidèle par rapport à l'enseignement, à l'exaltation, par rapport à la révélation que je donne ici. On vous dit ici d'abord que là où habite une femme infidèle et il allait vers sa maison. Une femme infidèle maintenant c'est quoi? Une femme infidèle c'est quoi? C'est qui n'est pas fidèle, notamment en amour. Maintenant, n'oubliez pas une chose. Il y a des gens qui confondent le désir sexuel, le plaisir sexuel et l'amour. Le plaisir sexuel, ce n'est pas de l'amour. Le désir sexuel, ce n'est pas de l'amour. L'amour, c'est une chose. Le plaisir sexuel, bon, le plaisir sexuel et le désir sexuel, c'est autre chose qui est en contradiction, pas forcément en contradiction, mais qui est différent de l'amour qui est connu des initiés. Donc, dans Proverbes chapitre 7 au verset 9, on dit, c'était à la tombée du jour, on sait que le jour ne tombe pas. Donc là, c'est mal écrit, mais ici, il y a la tombée du jour, lorsque la nuit s'approche et quand l'obscurité s'installe. Dans Proverbes chapitre 7, au verset 10, traduction écumée de la Bible, voilà cette femme qui va à sa rencontre, mise comme une prostituée. Il y a virgule ici. Donc, elle ressemblait à une prostituée. Et en plus, c'était une séductrice. Et cette séductrice, c'est quoi? C'est la séduction désigne en sciences sociales un ensemble de procédés de manipulation visant à obtenir une faveur, donnant une image avantageuse de soi ou susciter délibérément une émotion, une admiration, une attraction. Donc ici, une femme maintenant qui va venir vous séduire,
Oui, elle va marcher, elle va bouger ses hanches, son bas du dos. Elle va vous regarder, elle va sourire, elle va un peu baisser ses yeux. Et elle sait à l'intérieur d'elle qu'il y a un pouvoir qui émane de ses yeux. Elle sait que quand elle va te regarder, que tu vas la regarder, elle va faire ses yeux doux. Elle va peut-être faire ses cheveux comme ça. Elle va peut-être tourner ses cheveux. Ou elle va un peu faire l'expression avec la bouche. Elle va faire... Ou... Vous voyez, il y a des... Certains disent que ce sont des mimiques. Voilà, des petits mimiques. Voilà. Elle va faire des petits signes. Elle va mieux croiser son pied. En faisant ça, elle est consciente que c'est une énergie qu'elle dégage. C'est une énergie qu'elle est en train de dégager là actuellement. Les femmes expertes, c'est une énergie, c'est une puissance qu'elle dégage. Elle est consciente qu'elle a ce pouvoir là sur l'homme qui la regarde. En fait, là, c'est déjà un combat. C'est déjà un combat qui est en train de se démarrer. Le combat, c'est quoi? Donc, certaines personnes vont dire, bon, tiens, ils vont aller avec une femme, ils vont faire des préliminaires, d'autres vont aller sans préliminaires, tout ça. Non, les préliminaires ont déjà commencé. Quand une femme veut déjà te séduire, quand elle te regarde déjà, ça veut dire que quand une femme est en train de te regarder, vous voyez, elle est calme. Elle est tout calme, elle t'observe. Elle te regarde. Quand tu la regardes, boum, elle tourne les yeux. Parce qu'elle sait que tu vas la regarder, elle veut que tu la désires. En fait, le fait de désirer une femme, que ce soit dans un lieu public, peu importe, le fait de la désirer, ta respiration change déjà. Est-ce que vous comprenez? Elle, sa respiration, elle est calme. Elle garde sa respiration parce qu'elle contrôle ses gestes. Elle contrôle sa respiration. Et c'est par là, mais elle est consciente du désir sexuel déjà. C'est-à-dire le secret de la puissance sexuelle se met déjà à l'œuvre, en œuvre. Donc, le fait de garder son calme, elle te regarde une fois, boum! Après, elle peut rester même 10 minutes sans te regarder, elle sait que tu es en train de regarder. Après, elle fait comme si elle ramasse un truc, boum, elle te regarde encore. Donc, et pendant qu'elle te regarde, pendant qu'elle regarde un homme, cet homme, il est là, il respire fort. Il a déjà en train de déployer son énergie. Donc, cette femme-là, elle commence à se préliminaire, elle est en train de prendre ta puissance sexuelle. Donc, vu qu'elle est déjà en train de t'envoûter, elle t'attire déjà de son regard, de ses hanches, de sa poitrine, de comment elle est, de comment elle est habillée, de ses formes. Donc, elle sait que toi, tu sais qu'elle est appétissante en ce moment, que tu la trouves, selon l'expression, que tu la trouves bonne et que tu veux la manger. Elle le sait. La manière dont tu la regardes avec tes yeux vicieux, elle le sait. Et là, elle va sourire. Ce n'est pas toutes les femmes. Il y a d'autres femmes, elles ne vont pas prendre plaisir à ça. Mais bon, on vous parle de la généralité de ce qui se produit. Donc, quand elle va regarder ça, elle va s'applaudir, s'auto-applaudir à l'intérieur. Elle va être contente. Donc, le mécanisme du secret, de la puissance sexuelle, s'ouvre déjà en elle. Ça veut dire quoi? Elle veut déjà prendre votre énergie. Comment elle va prendre votre énergie? À cause du désir qu'elle émane, c'est-à-dire qu'elle dégage déjà par rapport à son apparence, par rapport déjà à ses mimiques, c'est-à-dire ses manières de faire, de sourire, le rouge à lèvres qu'elle va mettre ou peu importe. Vous voyez, tu vas la trouver douce, tu vas la trouver sensible, tu vas la trouver bonne, tu vas la trouver dégustable, tu as envie de l'attraper. Vous voyez? Excusez l'expression, je dis encore, mais tu vas ressentir cela. Et le fait de ressentir ça, c'est comme un lion. Donc, le fait de ressentir cela, tu respires déjà fort. Tu respires déjà. Donc, ton désir sexuel est déjà en train de monter. Donc, tu as déjà des pulsions. Tu penses déjà à une chose, à l'attraper. Et fais ce que tu as à faire. Donc, ça veut dire que le secret du désir sexuel qui est dans l'homme, non, le secret de la puissance sexuelle qui est déjà dans l'homme, c'est déjà déclenché. Mais sans qu'il le sache, ça se déclenche déjà par tes yeux et par la respiration. Ta respiration change. Ça veut dire que tu es déjà en train d'épuiser ton désir, c'est-à-dire ta puissance sexuelle. Ta respiration change déjà. Et maintenant, quand tu viens vers la femme où elle va se lever, elle va passer à côté de toi avec un parfum qui t'attire. Tu vas faire... Là maintenant, qu'est-ce que tu veux? C'est comme si quand le désir passe, tu as juste envie de... soit de dormir dans ses bras, soit... En gros, elle a te dompté déjà. Elle te dompte déjà par les petites manières. C'est l'homme, le pourquoi maintenant?
si tu réussis, on va dire, à lui faire la cour, et que vous allez peut-être vous souiller, vous allez peut-être dans une auberge, peu importe, ou bien, tente de la, selon l'expression du monde, tente de la draguer, tente de la faire la cour, pendant des mois, cet appétit-là est toujours en train de grandir à l'intérieur de toi, Et maintenant, le moment où vous passez à l'acte, parce que tu as pris tout le temps, comment tu voulais la manger, comment tu voulais l'attraper, comment tu voulais satisfaire tes pulsions. En ce moment, maintenant, quand tu vas sur, que ce soit, on va dire, tu vas maintenant chez elle ou bien chez toi avec elle, sur ton lit, peu importe, à l'hôtel, à l'auberge, peu importe, c'est le moment, au moment de passer à l'acte, tu vas te remémorer du comment, le désir que tu avais pour elle, et là, tu vas respirer fort. Parce que la manière dont elle va venir, elle va avancer devant toi, elle va te regarder droit dans les yeux, tu vas être gêné, tu vas être troublé. En fait, la manière dont elle te regarde, il y a quelque chose à l'intérieur d'elle qui est en train de prendre ta puissance sexuelle. Et ça prend ta puissance sexuelle par ta respiration. Parce que tu respires fort. Tu respires fort. En respirant fort, tu en t'affaiblis. Et elle se nourrit de ça en ce moment. Et il suffit qu'elle te touche juste comme ça. Bah! Il y a d'autres, c'est pour ça qu'ils sont précoces. La semence est déjà partie. Parce que tu respirais fort et ta puissance sexuelle, elle est partie parce que tu ne contrôlais pas. Il y a d'autres femmes qui vont le faire, mais elles ne sont pas conscientes de ce qu'elles sont en train de ce mécanisme de la puissance sexuelle, du secret de la puissance sexuelle. Et d'autres maintenant, il a tellement envie de la, on va dire, de la manger, de satisfaire son désir. Pendant l'acte sexuel, au bout, on va dire, de 2 minutes, même pas 2 minutes, c'est beaucoup, au bout d'une minute, parce qu'il a tellement envie de manger, c'est comme quelqu'un qui voit, il voit de la nourriture, il a tellement faim, il a envie de manger, et quand tu tombes sur le repas, il mange, boum, ça le cale sur le cou, il n'a même plus faim, parce qu'il est gourmand, donc ça l'a calé, parce qu'il y a l'art de savoir manger et de ne pas caler. Il y a l'art. Dans toute chose, il y a l'art. Donc, quand il va avec cette femme, au bout de quelques minutes, au bout d'une minute, bam! Parce qu'il a tellement ce désir, pendant qu'il est sur, on va dire, pendant qu'ils sont dans l'acte, dans cet acte sexuel-là, il respire fort, vous voyez? Tous ses sens sont maintenant calés là-dedans. Et sa respiration change. C'est comme s'il est en train de faire le cardio. Il fait le cardio, donc il respire fort. Le désir se manifeste dans sa respiration. Et c'est là où maintenant, parce que le fait de trop respirer, il n'arrive plus à contrôler. Donc le désir, ça l'échappe, donc sa puissance sexuelle disparaît. Bah! Et là, la semence est partie. Et c'est là, il regarde, dit mince. Vous voyez, c'est comme ça se passe. C'est pour ça qu'il y a les yogis. Bon, ceux qui font le yoga, c'est rigolo, là. Certains yogis, eux aussi, ils vont parler par rapport à l'acte sexuel, par rapport à la respiration, où ils disent un coup je te vois pas, et boum, ils bloquent la respiration. Parce que plus pendant l'acte sexuel, quand on dit pendant l'acte sexuel, bon, c'est-à-dire le désir sexuel, on va vous expliquer d'où est-ce que ça vient, cette puissance sexuelle. Cette puissance sexuelle existe dans toute personne, mais sauf que certains n'arrivent pas à déclencher cela parce que ils regardent trop par l'apparence et d'autres ne savent pas comment. Donc voilà comment ça se produit pendant l'acte sexuel. Quand un homme, on va dire par rapport à la femme, quand un homme a trop de désir pour cette femme, il a déjà convoité, parce qu'il y a la convoitise, il y a les yeux qui regardent par rapport à la chair, Donc si vos yeux regardent, c'est-à-dire la conscience des yeux regarde cette personne-là par rapport à les pulsions sexuelles. Donc pendant l'acte, au bout de même 2 minutes ou 1 minute, pendant qu'il est en train de regarder, il y a une sorte d'odeur. Il y a l'odeur de la chair de la femme, il y a les yeux, il y a les gémissements de la femme, il y a la voix de la femme. Donc tout ça là, ça prend, boum, ses sens. Et là maintenant, il devient comme un bœuf qu'on est en train de poursuivre. Donc la respiration. Et maintenant, quand il respire, il y a le sang qui pompe, le cœur, son cœur bat fort, Et il va penser qu'il a déjà fait plus de 30 minutes.
Et pourtant, c'est quelques minutes, c'est une minute qui a déjà écoulé. Mais lui, vu que pour lui, c'est comme s'il faisait du sport, c'est comme s'il travaillait, donc il a l'impression qu'il est là depuis. Et c'est là le mécanisme, vous voyez, sa puissance sexuelle commence à diminuer, parce qu'il ne contrôle pas sa respiration. Il respire comme un bœuf qu'on a envie de tuer. Donc il respire, il est concentré sur la chair. Et en même temps, il veut satisfaire son désir. Il veut satisfaire ses pulsions. Et c'est comme ça que ça se produit. Et là, pa, et boum, son cœur bat, et bam, c'est là, ça vient vite. Parce que quand ça se déclenche, vous voyez, ça passe par la colonne vertébrale, ça commence à venir. Et là, il a envie de stopper ça. D'autres maintenant, dans le truc de yoga, ils vont dire, il faut bloquer la respiration. Comme ça, quand il respire, quand il bloque la respiration, le cœur arrête de battre trop fort pour que la température descende un peu. Bien, mais ça sort quand même. Mais bon, ceci pour vous dire, le secret, maintenant, se résume à quoi? C'est là où maintenant, ils sont dans la confusion. Et ça les énerve. Ici, là, on vous dit, dans Proverbe chapitre 7, au verset 11, Bible Choraki, on vous dit, bouleversante, déchaînée, ses pieds ne demeureront pas dans sa maison. Maintenant, pourquoi on dit cette femme-là, elle est déchaînée? Cette femme, elle est déchaînée, pourquoi? Elle est déchaînée. Déchaînée, ça veut dire détachée. Dans Genèse chapitre 3, au verset 16, Bible parole de vie, il est dit, ensuite le Seigneur dit à la femme, dans Genèse chapitre 3, verset 16, Bible parole de vie, ensuite le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles et c'est dans la souffrance que tu enfanteras des enfants au monde, que tu mettras des enfants au monde, tu seras attiré par ton mari, mais il dominera sur toi, mais il sera ton maître. Dans la Bible actuelle classique, on vous dit quand l'homme et la femme ont chuté, on dit néanmoins, dans d'autres versions, que les désirs de la femme se porteront sur son mari, mais l'homme va dominer sur elle. Ça veut tout simplement dire ceci, que pendant l'acte sexuel, c'est l'homme qui doit dominer la femme. Est-ce que vous comprenez? C'est l'homme qui doit dominer la femme par rapport à l'acte sexuel. Ce n'est pas la femme qui doit dominer sur l'homme. Les initiés avaient compris cela. Les tindis, qui étaient, on va dire, c'est pas... D'autres vont utiliser les écorces, on va dire les rois des écorces, d'autres le Viagra, d'autres c'est... Non, c'est une puissance. Le secret même de la puissance sexuelle réside dans l'esprit de l'âme. Est-ce que vous comprenez? C'est une énergie qui se transmet, qui se manifeste sous une forme de la respiration consciente. De la respiration consciente. Et qui passe par l'âme qui te saisit maintenant. Et c'est cette puissance-là, l'homme doit dominer dans le lieu conjugal. Maintenant, les hommes qui sont dominés par les femmes, par rapport à l'acte sexuel, c'est parce que la femme s'est détachée, elle s'est déchaînée. Pourquoi? On dit maintenant, dans Proverbe chapitre 7, au verset 11, Bible Choraki, bouleversant déchaînée, ses pieds ne demeurent pas dans sa maison. Donc, une femme, elle est déchaînée ici. La femme, elle est déchaînée. Donc, voilà, une femme déchaînée. Donc, quand une femme, elle est déchaînée, ça veut dire que au départ, vous devez être le maître, vous devez la dominer par rapport à l'acte sexuel. Le fait qu'elle soit déchaînée, donc, vous n'êtes plus son maître, vous ne la dominez plus. Maintenant, elle devient libre par rapport à cette pulsion et elle vous domine maintenant. Parce qu'elle est là, elle... Pendant l'acte sexuel, la femme, elle est là pour recevoir. Alors que là, vous êtes là, vous, pour donner. Donc, celui qui donne dépense plus d'énergie. Parce qu'il donne et l'autre est là pour recevoir. Maintenant, quand vous allez contrôler l'énergie... Donc, vu comme je parlais de cette femme, c'est-à-dire la femme déchaînée. Une femme déchaînée, c'est quoi? Parce que, comme j'ai dit tantôt, dans Genèse chapitre 3, verset 16, il est dit, Bible, parole de vie... Ensuite, le Seigneur dit à la femme, je rendrai tes grossesses pénibles, voyez, je rendrai tes grossesses pénibles, et dans la souffrance, tu mettras des enfants au monde.
Tu seras attiré par ton mari, il y a virgule, mais il sera ton maître. Il sera ton maître. Dans la Bible, en français courant, il dit, tu te sentiras attiré par ton mari, il y a virgule, mais il dominera sur toi. Donc, selon Genèse chapitre 16, non, selon Genèse chapitre 3, au verset 16, dominer sur toi, c'est quoi? Dans d'autres versions, comme je l'ai dit tantôt, que tous tes désirs se porteront vers ton mari. Dans d'autres versions, on dit ton désir se porteront vers ton mari ou dans encore ton plaisir, mais il sera ton maître. Il dominera sur toi. Dans l'enseignement dont je donne la révélation, on entre dans une autre facette. On vous montre par là que c'est l'homme qui doit dominer sexuellement sur sa femme pendant l'acte sexuel. Pendant dans le lieu conjugal, c'est l'homme qui doit dominer, qui doit l'épuiser, qui doit dominer. C'est comme ça et c'est pas autrement. Donc, parce que l'homme, premièrement, a été manifesté en premier. Donc, il a reçu d'abord cette puissance sexuelle à l'intérieur de lui par le moyen de son esprit. Donc, maintenant, vu que la femme sort de l'homme, l'homme, maintenant, il va transmettre à cette femme une partie de cette puissance sexuelle. Donc, aussi pour satisfaire l'homme, pour se satisfaire les deux. Donc, pendant l'acte sexuel, une femme qui va épuiser un homme, quand je dis épuiser, en gros, il y a des femmes, il y a des hommes pendant l'acte sexuel, comme j'ai dit tantôt, pendant l'acte sexuel, il dit, tiens, je vais la manger, je vais la déguster, je vais te montrer, tu vas voir. Il va dire dans sa tête, tu ne sais pas qui je suis, quand je vais t'attraper, tu vas voir. Donc, maintenant, pendant l'acte sexuel, l'homme a tellement ce désir de montrer à cette femme de la voir, de l'écraser, on va dire qu'elle est écrasée par la fin du mal, mais de l'écraser, de dominer sur elle, la manière dont il va utiliser cette domination, il l'utilise très mal, vous voyez, parce que son énergie, elle est déjà négative. Donc, il utilise très mal cette puissance, c'est pour cela que sa puissance sexuelle, le secret de la puissance sexuelle va s'échapper par sa respiration. Il va respirer très fort, comme un bandit qu'on entend dessus, il respire fort, donc il se cache. Et la respiration le trahit. Parce que les gens, on le cherche. Il respire fort. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas l'entraînement. Il n'y a pas l'entraînement. Donc, il faut apprendre à maîtriser le cardio. Pas seulement le cardio. Pas seulement la respiration. Mais une grande force. La grande partie de la puissance sexuelle, c'est dans la respiration et dans les performances aussi. Maintenant, il y a aussi un autre. Il y a une autre conscience. Il y a cette conscience-là. Quand vous maîtrisez la puissance du désir sexuel ou bien la puissance même du mécanisme vibratoire, du secret, de la puissance sexuelle, du désir de la chair, vous devenez comme les... En gros, vous allez connaître comme certains patriarches dont les Tindi ont connu ce secret, les Mon-Mon, ainsi de suite, les Tondor, beaucoup de patriarches ont compris le secret de la puissance sexuelle. Vous voyez, donc ici, quand pendant l'acte sexuel, un homme, que ce soit avec sa femme ou avec sa copine ou bref, un homme qui va avec une femme, pendant l'acte sexuel, lui, il a tellement ce désir. Il veut montrer à cette femme qui domine, vous voyez, il fait, au bout de 2 minutes, lui, il va penser qu'il a fait plus d'une heure. Il va penser qu'il a fait plus d'une heure. Parce que non seulement il n'a pas mis le chronomètre, il n'a pas mis la montre pour voir, il va penser qu'il a mis plus d'heure. Il va penser qu'il a mis plus d'heure. Et pourtant, il a fait quoi? Quelques secondes. Il a fait quoi? 1 minute et 50 secondes au moins. Ou 2 minutes maximum, 3 minutes. Pas sa respiration, il respire fort. Tandis qu'il y a le pouvoir de l'esprit. L'esprit, en gros, le pouvoir qui réside dans l'esprit, dans le moi intérieur, va transmettre ce pouvoir au corps, à la conscience du corps. Donc, pour maîtriser le secret, en gros, pour maîtriser l'acte sexuel, quand on dit l'acte sexuel, pour maîtriser la puissance sexuelle, il faut d'abord, premièrement, par votre conscience du moi intérieur, maîtriser le désir, maîtriser l'appel de la chair,
maîtriser maintenant le mystère de la respiration, dans l'énergie qui se cache dans la respiration, vous maîtrisez cela. Maintenant, il peut aussi y arriver que certaines personnes vont dire, tiens, ils vont maîtriser la respiration, mais la femme qui est à côté, si elle, elle est consciente de ce pouvoir, la manière dont elle va se déplacer, la manière dont elle va bouger, elle va vous déstabiliser, même si vous bloquez votre respiration, vous êtes précoce et c'est vite sorti. Donc, pendant l'acte sexuel, quand la puissance sexuelle, pour maîtriser la puissance sexuelle, il faut d'abord maîtriser la respiration. Je dis bien la respiration consciente. Parce qu'il y a une respiration consciente. Dans chaque chose que vous faites, il y a une respiration appropriée. Et oui, pendant l'acte sexuel, il y a une respiration. Quand vous courez, vous faites du sport, il y a, quand vous êtes en train de courir, il y a une respiration. Quand vous avez peur, il y a la respiration de la peur. Il y a la respiration de la colère. Dans chaque élément, dans chaque phase de votre vie, il y a une respiration appropriée. Donc la respiration appropriée qui concerne le domaine de l'acte sexuel, de la puissance sexuelle, si vous ne maîtrisez pas ça, ça pompe vite votre cœur, ça bat le cœur, ça bat. Et pendant ça bat le cœur, il y a un désir. Et ce désir-là sort d'où? Parce que quand les yeux observent, vous allez voir, la femme, elle est là. Le fait que elle va peut-être tourner la tête, elle va sourire ou elle va gémir. C'est-à-dire, elle va produire quelques sons. Vous voyez les sons qu'elle va produire. Les petits bruits qu'elle va produire, ça va aller dans votre intellect, dans vos oreilles. Et dans la conscience de votre moi intérieur, et à cause de ces gémissements, elle vous déstabilise. Et bam! Donc, maîtriser tout l'environnement pendant l'acte sexuel, c'est-à-dire la température de l'air. Là, il y a la température de l'air, le bruit, le bruitage, la respiration, tout. Maîtriser ça, prendre cela comme ça là. Il prend le pouvoir sur ça. Donc maintenant, c'est vous qui décidez en quel moment vous vous arrêtez. En quel moment, vous devenez le maître des écorces. Le roi des écorces. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, on vous parle d'une femme dans Proverbes chapitre 7 au verset 11. Bible Shiraki, bouleversante, déchaînée, ses pieds ne demeureront pas dans sa maison. Alors, une femme qui est déchaînée, elle, dans sa tête, elle dit, elle va vous avoir. Donc, elle va vous épuiser. Et quand une femme vous bat, spirit, c'est-à-dire elle vous bat pendant l'acte sexuel, elle prend l'énergie sur vous. Elle prend ascendant sur vous et vous domine. Elle vous domine, vous devenez comme un enfant. Elle vous domine parce qu'elle est consciente de ça. Et maintenant, quand elle va vous dominer, elle, comprenez que tout à l'heure, j'ai dit, pendant l'acte, l'homme est là pour donner. La femme est là pour recevoir. Est-ce que vous comprenez? Celui qui donne, dépense, on va plus dépenser aussi. Dépense le plus. D'autres qui vont recevoir, la femme qui reçoit, elle reçoit, elle reçoit, elle reçoit. Maintenant, tout dépend de comment l'homme va donner par rapport à son degré de puissance, du secret de la puissance sexuelle. Tout ça, ce que je dis, c'est écrit. C'est écrit. On va vous le démontrer. Plus encore. Donc, dans Bible, second 21, il est dit, tes désirs se porteront vers ton mari, mais lui, il dominera sur toi. Maintenant, il va dominer sur toi comment? C'est quoi cette puissance sexuelle? Comment être conscient de cette puissance sexuelle? J'ai dit, la femme, elle a ça. L'homme aussi a ça. Mais sauf que l'homme, on lui a donné au départ, c'est-à-dire d'avoir une très grande puissance sexuelle qui ne suit pas celle de la femme. Comment se fait-il qu'il y ait des femmes qui ont des puissances sexuelles qui dépassent celle de plusieurs personnes dans ces derniers temps? Comment?
parce qu'il y a un entraînement. Vous pouvez être un champion de boxe, de poids lourd. Il suffit qu'un moment, vous dormez sur vos lauriers, vous entraînez plus, vous laissez aller. Au moment de reprendre l'entraînement, vous allez lutter avec une personne. Vous, vu que vous entraînez plus, il y a le cardio, il y a tout. Et là, boum, l'absence prend le dessus sur vous. L'absence prend le dessus sur vous. Est-ce que vous comprenez? Donc ici, dans Proverbe chapitre, Proverbe chapitre 31, verset 3, Bible parole de vie dit, « Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. » Cette force-là ici, là, selon l'enseignement, c'est la puissance sexuelle. C'est la puissance, parce qu'elles peuvent prendre cela. Elles peuvent prendre votre puissance. Parce que pendant l'acte sexuel, même quand j'ai dit par rapport à la respiration, le cœur bat, ça pompe le sang, le désir va monter pour certains comme dans la colonne vertébrale. Ça va venir. Donc vous êtes envahi par une émotion. Et cette émotion, ça vous prend au niveau de la tête, ça vous prend au niveau du visage, ça vous prend, vous devenez comme un bœuf. Quand on a tiré pour égorger, donc vous respirez encore plus fort. Et là, un coup je te vois, un coup je te vois pas. Donc là, et elle le sait déjà, la plupart le savent, que là en tout moment, elle est en train de te dominer. Elle est en train de te dominer, elle te prend ta force. Et maintenant, dès que. Et cette force-là maintenant va se résider aussi dans la semence qui va sortir dans la semence. C'est pour cela qu'il y a certaines personnes, ils ne peuvent pas, en gros, avoir des enfants avec les femmes, avec une femme, parce qu'on vous dit que la semence, elle est faible. Comment ça, une semence, elle est faible? Donc, la semence, donc, ça ne va pas produire, parce que c'est faible. Ce n'est pas assez rapide. Donc, la puissance de la semence, c'est d'abord maîtriser la puissance sexuelle. C'est maîtriser la puissance, l'énergie sexuelle, maîtriser ses sens, maîtriser la respiration. Et dans cette respiration, pendant cet acte-là, un coup je te vois, un coup je te vois pas, donc maîtriser l'environnement, maîtriser même tout ce qui se passe dans la pièce, maîtriser même les gémissements, maîtriser les bruits, les bruitages, parce qu'il y a plusieurs formes de bruit audibles. Il y a le bruit du lit, il y a le bruit de la chair, il y a le bruit des gémissements. Il y a plusieurs bruits. À chaque bruit, ça peut prendre le dessus sur vous et sur votre respiration et sur votre puissance sexuelle. Donc, pendant que vous maîtrisez cela, vous canalisez cette force-là, cette puissance sexuelle, maintenant, ça va, cette puissance sexuelle va se matérialiser sur une forme d'émotion, sur une forme d'énergie qui va vous envahir. Ça va vous envahir, ça va vous envahir. Ça va prendre au niveau de votre être. Et maintenant, pendant que la semence elle va se manifester, cette énergie va entrer dans la semence. Va entrer dans la semence. Et quand ça entre dans la semence, bah, vous vous sentez faible, fatigué. Et il y a certains hommes qui vont dire, ah, je suis fort, hein? Hein? Je suis puissant, hein? La femme a dit, ouais. Alors que vous n'avez même pas fait 10 minutes. Elle n'a pas été satisfaite. Ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas pris du plaisir, mais elle, son métabolisme n'a pas assez produit cette énergie-là, cette semence-là en elle. Parce qu'il y a un endroit où le désir vient. Il y a un endroit où le désir va se manifester. Donc, elle ne s'est pas assez sortie. C'est pour ça qu'elle m'a dit ouais, pour te faire plaisir. Alors que toi, tu dis, ah, je suis puissant. Elle a déjà pris ta force. Elle a déjà pris ta force. Maintenant, on vous dit ici, Proverbe chapitre 31, au verset 3, Bible parole de vie. Mon fils, ne laisse pas les femmes prendre ta force. Et c'est quoi cette force-là? Traduction du mot nouveau, ne donne pas ton énergie vitale. Ne donne pas ton énergie vitale aux femmes. Donc l'énergie vitale ici, là, ça n'a rien à voir avec le qui, le voilà.
Ici, là, la force vient de l'esprit. La force, cette énergie vitale maintenant, c'est dans l'esprit. C'est dans l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça vient par l'esprit de votre moi, à l'intérieur de vous. Ça vient de l'esprit. Ça passe par le mental. Donc, l'âme va contrôler le mental. Ça prend le mental, la respiration. Donc, tous les mécanismes vont maintenant pour produire maintenant votre semence. Pour produire votre semence. Ça va produire votre semence. Parce que la plupart des gens pensent que qu'ils sont ignorants, ils pensent qu'il y a un endroit où il y a la semence, elle est déjà là, stockée. Et que si tu ne pratiques pas, en gros, si tu ne te maries pas, ça va pourrir. Non, ça c'est faux. Que ça va, ça c'est faux. C'est pas un truc qui est stocké. Est-ce que vous comprenez? C'est un truc qui se produit. Ça se produit pendant l'acte. C'est un truc qui se produit. Ça se produit. Bon. Là, on ne va pas trop entrer dans ce domaine-là. On va plutôt parler ici. La force vitale. Donc, pendant l'acte sexuel, ou bien pendant que vous voyez une femme en route, on vous dit ici, dans Proverbes chapitre 7, au verset 13, Bible du Semeur, elle attrapa le jeune homme, l'embrassa et le regarda droit dans les yeux et lui dit, deux points. Il y a d'autres personnes qui vont regarder une femme dans les yeux. La femme bloque du regard, elle regarde, elle sourit un tout petit peu, bouffe un peu ses cheveux. L'homme dans sa tête dit, il est bloqué, il ne sait pas quoi faire. Il va dire, waouh, il me la faut. Donc, c'est qui en te... Parce que quand vous êtes déstabilisé, quand elle vous regarde et que vous avez le désir pour cette femme, elle vous regarde, elle vous sourit avec les yeux doux, elle est consciente qu'il y a quelqu'un à l'intérieur d'elle qui vous regarde. Donc, ici, maintenant, dans Cantique des Cantiques, chapitre 6, au verset 5, Bible à l'allure, que je l'ai dit, détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. Bible des peuples, ils m'ont ensorcelé. Bible du Ravinat, français dans nos cannes, car ils me jettent dans des transports. Ça veut dire quoi ici là, ils me jettent dans des transports. Donc, même pendant l'acte sexuel, l'homme va être jeté par les transports. Les transports vont symboliser quoi ici? Parce que on te transporte. Donc, on va te transporter pour aller dans le dépôt de la respiration consciente. On te retransporte pour aller dans le dépôt du désir de la chair. On te transporte pour aller dans le transport par rapport à l'entendement conscient des bruits que tu entends dans la pièce, des gémissements, tout ça là. Les gémissements te donnent encore plus de plaisir. Donc tu te transportes dans l'endroit, dans le lieu, dans la dimension du désir, du plaisir. Est-ce que vous comprenez? Donc, ça te transporte au fur et à mesure. Proverbe chapitre 7 au verset 14, traduction Abbé Filion, il est dit, j'avais fait un vœu d'offrir des victimes pacifiques. Dans cette femme ici, qui va avoir un jeune homme inexpérimenté, elle dit ici, j'avais fait un vœu d'offrir des victimes pacifique. Et aujourd'hui, j'ai accompli mes voeux. Proverbe chapitre 7, au verset 18. Belle parole de vie, dans Proverbe 7, 18, il dit, viens, nous allons faire l'amour jusqu'au matin. Il y a virgule. Et on entre dans la virgule. Et on ouvre la révélation. Donc, quand vous lisez, vous pouvez vérifier dans Proverbe chapitre 7, au verset 18, il est dit, la femme, elle va aborder ce jeune homme qui est inexpérimenté par rapport à l'expérience de l'acte sexuel ou bien de la vie, de l'énergie, de la puissance sexuelle. Cette femme-là dit ici que viens, nous allons faire l'amour jusqu'au matin. Beaucoup de personnes ont lu ce passage sans savoir exactement ce qui veut dire réellement ici, là, ce que ça veut dire. Donc cette femme dit ici à ce jeune homme-là, viens avec moi, nous allons faire l'amour jusqu'au matin. Mais quand on dit jusqu'au matin, elle ne dit pas nous allons faire l'amour pendant 5 minutes,
pendant 10 minutes, pendant une heure, pendant 2-3 heures, c'est jusqu'au matin. Parce que cette femme-là, elle est consciente de sa puissance sexuelle. Elle est consciente de sa respiration consciente. Elle est consciente du désir. Dans le désir-là, qui peuvent se canaliser. Et elle bloque ça. Et à un moment donné, il y a un moment où le désir doit... C'est-à-dire, les deux désirs doivent aller en même temps. Et pour la femme, boum, elle est satisfaite. Et l'homme après, parce que c'est la dominante. Mais cette femme ici-là, c'est une dominatrice. Donc, c'est pour ça qu'elle dit, viens, on va faire l'amour jusqu'au matin. Comment tu vas faire l'amour jusqu'au matin? Tu vas faire l'amour jusqu'au matin, comment? Donc, elle ne s'arrête pas. Elle ne se fatigue pas. Pourquoi elle dit jusqu'au matin? Parce qu'elle veut enseigner ça à cet homme-là. À ce jeune homme-là. Parce que là, cette femme-là, elle détient, elle a le secret là, du désir, de la puissance sexuelle féminine. C'est pour ça qu'elle dit à ce jeune homme-là, nous allons faire l'amour jusqu'au matin, nous prendrons du plaisir ensemble. Nous prendrons du plaisir ensemble. Quand elle dit ensemble, ça veut dire au même moment, il faut prendre le plaisir. Parce que d'autres personnes, pendant qu'il va, il pense qu'à l'impulsion, il pense juste que, tiens, il faut qu'il aille chez la femme. Il pense à son propre désir. Après, il est satisfait. Et la femme va dire, voilà. Pour lui, forcément, c'est une femme en train de gémir. Une femme en train de gémir, elle est en train de bouger, comme le ver de terre, comme a mis le sel. Donc pour lui, ah tiens, il est en train de... Et il en te satisfait la femme, il en te montre, il en te dit ah, qu'il est fort comme Zimbla, comme Black Rock. Non. La femme dit ici, nous allons faire l'amour jusqu'au matin. Et nous prendrons du plaisir ensemble. Ensemble. Ça ne veut pas dire que toi, tu vas prendre le plaisir avant. Et elle, c'est après. Elle dit ici ensemble, parce qu'elle veut l'enseigner l'art du plaisir sexuel. Mais, sauf que cette femme-là, elle est mariée, et elle est infidèle. Bible du rabbinat français Zardokan, viens donc, enivrons-nous. Enivrons-nous d'amour. Jusqu'au matin. Donc, quelqu'un qui est enivré, c'est quoi? Tu bois, tu es enivré, tu es... Donc, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Épuisons les délices des caresses. Épuisons les délices des caresses. Proverbe chapitre 7 au verset 21, Bible seconde 21, elle a attiré à force de persuasion. Elle a séduit par la flatterie de ses lèvres. Proverbe chapitre 7 au verset 22, traduction à Béphilion. Aussitôt, il la suit comme le bœuf. Ça veut dire qu'en la suivant comme le bœuf, comme elle pour l'immoler. Donc le bœuf il respire fort, il veut vous. Donc il y a la respiration. Donc la personne, plutôt l'homme va respirer fort, il va respirer fort. Comme un agneau qui va à la bouche, à la mort, en bondissant. Il est ignorant l'insensé qu'on l'entraîne à pour le lier. Maintenant dans Proverbe chapitre 7 au verset 6. À 7 ans, comme j'ai lu au début. Dans Proverbe chapitre 7, verset 6 à 7 ans, Bible en français, comment elle dit, un jour, j'étais à la fenêtre de ma maison, et je regardais au dehors. Je vis des garçons inexpérimentés. Parce qu'elle a vu, ça se voit. Quand vous êtes expérimenté dans quelque chose, quand vous contrôlez le mystère, le secret du... quand vous contrôlez le secret de la puissance sexuelle et que vous voyez une autre personne, c'est-à-dire un homme qui contrôle ça, et il voit une femme, il saura par la conscience de ses yeux si cette femme-là, elle est expérimentée ou pas. Il le saura. Maintenant, il y a d'autres qui disent, quand ils voient une femme, peut-être d'autres qui vont en boîte de nuit, la femme vient le draguer ou bien il vient accoster la femme, il boit, après il part. Il se dit dans sa tête qu'il est sûr de lui.
qui va traumatiser cette femme, qui va la fatiguer. Et pop, et il a la surprise après, que c'est lui qui est fatigué, que c'est lui qui est épuisé. Bon, parce qu'il ne contrôle pas l'énergie sexuelle. Maintenant, même si je vous ai révélé, même si on vous révèle la puissance de l'énergie sexuelle, la respiration, tout ces choses-là, le bruitage, les gémissements, le bruit, les mouvements, vous voyez? Parce que, bon, vous ne devez pas ignorer aussi que, il y a aussi, excusez-moi toujours l'expression, par rapport aux positions. Il y a des positions pour certains, en fonction des positions, votre énergie sexuelle, elle se déclenche très vite. Donc vous devenez plus faible par rapport à une certaine position qu'une femme pourra prendre, par rapport dans le lieu conjugal, dans l'acte sexuel, il y a des positions qu'elle pourra prendre, que l'homme, ça va déstabiliser l'homme, ou bien ça va le rendre plus faible. C'est-à-dire, ça va plus faire venir son désir sexuel, donc sa puissance sexuelle va vite sortir, donc elle va prendre plus l'énergie. C'est en fonction des yeux, de la conscience des yeux, et le toucher, l'odeur, la respiration, les bruits, les gémissements, l'endroit, la pièce, ça joue aussi. Donc c'est tout ça, c'est tout un mécanisme. Ceci, c'est pour vous montrer un petit aperçu de la haute connaissance qui émane du seul enseignant. L'homme s'est encore glorifié.